Je vais me présenter un peu au début. Je m'appelle Thelma et je suis islandaise. Et je fais maintenant au service volontaire européen à l'AIA à Roquefort. Et parce que je sais que tu veux aussi faire un service volontaire européen, je veux te poser quelques questions. D'accord, très bien, ça marche. Ok. Est-ce que tu peux me dire quand ton mission commence et où ça se passe? Donc je vais faire mon service volontaire européen à Tudela en Espagne. Il va commencer le 4 septembre. Ma mission va durer 10 mois. Je vais venir en aide à des enfants défavorisés et des migrants. Quels sont tes attentes par rapport à ton SVU et par rapport à la vie en général en Espagne? J'espère pouvoir améliorer mon espagnol et aussi pouvoir m'élever, me compléter avec l'aide que je vais apporter aux gens et toutes les tâches que je vais pouvoir apprendre. Et je pense pouvoir grandir et devenir quelqu'un de nouveau ou quelqu'un de plus complet. Ok. Et comment c'est ton espagnol? Un poquito bien, pero je pense que je vais pouvoir apprendre beaucoup mieux parce que j'ai appris seulement l'espagnol à l'école. Et bon, voilà, à l'école, ça se passait bien, mais c'est pas le meilleur moyen d'apprendre une nouvelle langue. Et est-ce qu'il y a des choses que tu fais un peu peur parce que tu vas vécu dans un autre pays plusieurs mois? Oui, je pense l'éloignement de mes proches, mais après ça va, parce que c'est plus près que l'Islande et je vais pouvoir les téléphoner, même peut-être aller les voir, je sais pas. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est de partir. Donc c'est l'excitation d'y aller. Ok, je pense que c'était un bon fin pour l'interview. Ça va. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, Tina. Et je te souhaite une bonne mission de SVU. Merci. Et toi aussi, je te souhaite de bien rentrer. Merci. À bientôt. Oui. Ciao. Don't want to listen, honey, what I say. How can you fix it? Tell me you are gone away. Don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know you love me through for many years.